William Kenneth Loftus est un géologue et archéologue britannique du XIXe siècle. En 1850, alors qu'il travaille à la délimitation des frontières entre les États du Proche-Orient, il est attiré, près de l'actuel Warqa en Irak, par quelques ruines qui sortent majestueusement du sable. Il décide d'y lancer des fouilles. Les équipes se succèdent, même après son départ, et présentent d'extraordinaires trouvailles à partir desquelles nous sommes en mesure de reconstituer son histoire.